Amis, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. Je m'appelle Alexandre Masruk et chaque semaine, je vous retrouve ici sur ma chaîne YouTube où nous parlons de tout ce qui concerne l'oracle de Mademoiselle de Normand. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de commenter et de partager la vidéo avec leurs amis et aussi sur leurs réseaux sociaux. Merci beaucoup, cela me touche et me fait énormément plaisir, comme vous le savez. Et je prends toujours un temps pour répondre à chaque commentaire et à essayer de répondre au mieux aux questions des abonnés. Je tiens quand même à souligner quelque chose qui m'agace un petit peu quand même chaque semaine, car je reçois sur mes vidéos en anglais chaque semaine des commentaires où des gens me demandent pourquoi vous faites que des vidéos en anglais, alors que, comme vous le savez, chaque semaine je fais une vidéo en français qui est complète avec un cours, un tirage de la semaine, et je réponds aussi à une question des abonnés, et je fais aussi des tirages qui sont gratuits, des tirages qui sont annuels et aussi des tirages des saisons, comme vous venez de découvrir le premier qui concerne le printemps. Donc, je tiens tout simplement à dire que je ne vais plus répondre à ces personnes qui me demandent pourquoi tant de vidéos en anglais, parce que je pense que j'ai passé assez de temps à expliquer le pourquoi des choses. Et je préfère vraiment me concentrer sur l'enseignement et sur vraiment vous entraîner à être des meilleurs cartomanciens. Pour le sujet de cette semaine, j'ai décidé de parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je souhaiterais apporter aussi des éclaircissements et aussi une meilleure compréhension peut-être pour beaucoup, c'est le développement personnel avec le Petit Lenormand. Donc quelque chose que j'entends beaucoup, que je vois beaucoup, c'est que beaucoup de personnes disent « Oui, le Petit Lenormand est un jeu de bonne aventure » et que ce n'est pas un outil pour le développement personnel. Alors, je veux expliquer qu'est-ce que c'est que le développement personnel pour qu'on puisse vraiment comprendre de quoi il s'agit. Parce que je trouve que le terme développement personnel, c'est utilisé un peu sur tout et n'importe quoi. Parce que c'est un terme qui est très à la mode et qu'on voit partout, hein, Et beaucoup de cartomanciens, beaucoup de praticiens utilisent ce terme pour valoriser leur activité. D'accord? Donc, le développement personnel, c'est tout ce qu'un individu pourrait faire pour améliorer, pour s'épanouir dans sa vie et dans ses activités. D'accord? Donc, quand quelqu'un fait du développement personnel, on le voit comme un coach, comme une personne qui est là vraiment pour vous guider, pour vous dire, voilà, il faudrait peut-être faire telle chose, ou il faudrait peut-être changer telle attitude, ou peut-être qu'il faudrait se remettre en question sur telle ou telle situation. Et je pense que ça a toujours existé, mais sauf qu'il n'y avait pas vraiment de terme, qu'il n'y avait pas de nom. Parce que moi, je sais que quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, j'ai eu la chance de voir quelques personnes qui faisaient de la voyance, certaines personnes très âgées à l'époque qui faisaient de la cartomancie et qui disaient à leurs clients, voilà, pour l'amélioration de cette situation, il faudrait peut-être changer votre comportement ou il faudrait peut-être changer telle ou telle chose, voilà. Et elle faisait du développement personnel. Elle aidait grâce à la guidance des cartes. Elles aidaient ses clients à avoir un meilleur lendemain. D'accord? Donc,
C'est quelque chose comment dire, qui existe déjà. Si vous voulez vraiment faire de la cartomancie, si vous voulez faire du petit Lenormand, c'est à vous de décider quel style de cartomancien vous voulez être. Est-ce que vous voulez être une personne qui fait seulement des prédictions, qui annonce simplement les événements? Voulez-vous être quelqu'un qui donne des réponses aux questions? Ou vous donnez des réponses à des questions, mais en plus vous donnez des idées, vous donnez des solutions aux personnes qui viennent vous voir. Donc moi je pense que l'option 3, celle de voir les choses, de comprendre les choses et aussi d'apporter un conseil. Parce que les personnes viennent vous voir pas seulement pour avoir une réponse, d'accord? Marie ne vient pas vous voir juste vous voir pour savoir si Jean est fidèle ou pas. D'accord? Elle voudrait peut-être mettre de l'ordre dans sa vie intime, dans sa vie amoureuse, et par les conseils, par les guidances que vous allez lui donner, Marie pourra améliorer et vraiment rediriger sa vie. Donc, c'est ça le développement personnel. Et avec le petit Lenormand, c'est un outil qui est idéal parce que elle couvre trois secteurs majeurs de voyance. Elle couvre le côté prédictif, d'accord, des choses, ce qui va arriver, ce qui ne va pas arriver. Elle couvre aussi le terme conseil, donc la guidance, les conseils qu'elle pourrait vous donner, comme par exemple pour la question de Marie, si elle pose la question, est-ce que Jean m'est fidèle? Ou si elle pose la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie sentimentale? Si on voit par exemple la tour, on ne va pas dire à la cliente, il faut que vous soyez toute seule, il faut que vous soyez isolée. Non, la tour à ce moment-là vous dira qu'il faudra créer des barrières, mettre des limites, d'accord, dans votre vie pour que les gens puissent vous respecter. Donc, le petit Lenormand couvre aussi cette partie du travail d'un cartomancien. Et la troisième partie, c'est vraiment aussi voir les options. D'accord? Comme je le dis, la fatalité n'existe pas. Si on est des gens qui sont conscients maintenant, on n'est plus dans les années 1900 ou 1800, on est conscient de notre réalité, on est conscient du pouvoir des pensées positives, le pouvoir du cerveau humain. Donc, on est conscient que les choses qu'on fait là maintenant, ça va créer notre lendemain. D'accord, on sait que nos décisions vont faire un effet papillon. Tout le monde est conscient de ça. Donc, on va travailler pour pouvoir créer un meilleur lendemain. Et les cartes, elles vont être votre GPS. Elles vont vous dire, voilà, vous êtes dans tel secteur, dans telle zone. Il faudra faire attention au marécage qui est à gauche. D'accord? Et peut-être si vous voulez arriver beaucoup plus vite, passez par les montagnes qui sont ici. Donc, les cartes sont vraiment là pour vous aider et c'est à vous, vraiment vous, de choisir quelle relation vous voulez avoir avec elles. Est-ce une relation de prédiction? Est-ce une relation de coaching? Est-ce une relation de guidance? Les cartes sont vos meilleurs alliés, vos meilleurs amis. Comme une meilleure amie, elles sont toujours là à vous écouter, à vous comprendre, à vous épauler et surtout à vous aider. Elles n'ont que votre bien en tête. Comprenez bien ça. Elles n'ont que votre bien en tête et c'est à vous comment dire, de vous mettre à la même énergie qu'elles. C'est à vous de leur dire ce que vous voulez voir, ce que vous voulez recevoir et ce que vous voulez créer. Question de la semaine, elle nous vient d'une abonnée de cette chaîne qui nous a posté une question très intéressante encore. Elle nous demande, quand on fait un grand tableau, des prédictions ou les conseils ou les choses qui sont dites dans le tableau, combien de temps on verra ces événements arriver? Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, tout d'abord, le grand tableau n'est pas pour ceux qui débutent le petit Lenormand. D'accord? Il faut avoir les bases, acquérir les bases, être à l'aise dans les tirages de 3, 5, 9 cartes.
parce qu'elles vont être utilisées dans le grand tableau. Si vous ne connaissez pas les bases, vous ne pourrez pas aller vers le grand tableau et comprendre comment l'utiliser, comment l'orienter. D'accord? Donc déjà, il faut être sûr de savoir les fondamentaux et de pouvoir pratiquer correctement les petits tirages. Quand vous faites un grand tableau, même quand vous faites un petit tirage, quand il s'agit de temps, et je vais faire une vidéo dans pas très longtemps sur le sujet du temps, dans combien de temps telles choses vont arriver et comment dater un événement. Je suis invité à une émission de radio aux États-Unis et l'émission va passer au mois d'avril, début avril. Donc je vais attendre que cette émission soit terminée pour vous faire une traduction de ce que j'ai dit et aussi vous expliquer comment dater avec précision un événement avec le petit Lenormand. Mais quand il s'agit du grand tableau, c'est à vous de dire, avant de tirer les cartes, dans quelle tranche de temps. Donc moi, par exemple, je sais que mon grand tableau va couvrir une période de 6 à 1 an. D'accord? Par exemple, chaque colonne du grand tableau peuvent représenter des mois, peuvent représenter des trimestres. D'accord? Donc, c'est à vous déjà au début, avant de faire votre tirage, de dire, voilà, je voudrais avoir des renseignements, par exemple, sur mon travail, sur les 6 prochains mois. Et vous tirez les cartes et vous savez déjà d'emblée que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera montré sera d'une datation de maintenant jusqu'à les prochains 6 mois qui arrivent. Tirage de cette semaine, j'ai décidé de travailler avec mon Lenormand 2018. C'est un petit Lenormand très coloré, très brillant. Et donc, on va travailler avec ce jeu. Donc, comme la semaine dernière, je vais mélanger, je vais faire 3 tas et vous allez vous concentrer et en choisir un des 3. Et vous allez aussi en même temps penser à une question que vous avez en tête. Une question fermée qui peut être répondue par oui ou par non. Et aussi demander la guidance pour cette semaine. 3 tas. Je les prends aléatoires, hein. C'est d'après mon feeling, mon intuition, mon instinct. Voilà. Donc je vous laisse vous concentrer sur les 3 tas et nous allons commencer le tirage par le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1, pardon, nous avons le fouet. Nous avons le mont et nous avons l'enfant. D'accord? Je vais bouger un peu la caméra pour mieux voir. Donc, ce qui nous est montré, c'est que cette semaine, c'est une semaine de remise en question. Parce qu'on voit ici avec le fouet qu'il y a des choses qui se répètent, il y a des circonstances et des difficultés qui reviennent tout le temps sur votre parcours. Le mont ici représente les obstacles, les difficultés que vous rencontrez. Et avec l'enfant, c'est des choses qui tournent vraiment en boucle. D'accord? Donc cette semaine, il faudra vraiment faire une mise au point, essayer de voir un peu ben, ce que je veux vraiment, ce que je veux créer, ce que je veux attirer. Et il faudra vraiment faire beaucoup d'efforts parce que la montagne, elle n'est pas insurmontable.
C'est une carte qui vous demande de faire beaucoup d'efforts, de d'être endurant, d'être comme un explorateur, un conquérant. Et le fouet ici, c'est vraiment pour vous, comment dire, pour vous inciter à aller de l'avant. On utilise une cravache ou un fouet pour encourager un cheval d'avancer, par exemple. Donc c'est vraiment là, ce sont des cartes qui sont difficiles, mais sur un point de vue de développement personnel, on va dire, ces cartes-là vraiment vous incitent à créer un renouveau par l'enfant qui est la carte réponse, un renouveau, un nouveau départ. Donc si vous aviez une question qui concerne un enfant en difficulté, un fils en difficulté, alors voilà. Les cartes vous disent que cet enfant doit faire beaucoup d'efforts pour surmonter ses blocages et ses difficultés. D'accord? Si votre question est en rapport à un déménagement, aller vivre à l'étranger, ici, là, on vous dit qu'il faudra bien vous préparer parce que c'est pas une mince affaire. Il faudra travailler dur, il faudra faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et pour répondre à votre question du oui ou du non, là, la réponse est non. D'accord, mais c'est un non constructif parce qu'il vous dit que si vous faites des efforts, si vous vous lancez dans cette aventure avec espoir, avec confiance, il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs. D'accord? Donc ça, si vous avez choisi, pardon, le tas numéro 1, nous passons maintenant au tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, on a le trèfle, le renard et le monsieur. La première chose qui m'attire ici, c'est le renard et le monsieur, parce que c'est souvent une combinaison de cartes qui vous dit de vous méfier, car l'homme en qui vous croyez ou l'homme en qui vous vous interrogez peut jouer un double rôle, peut faire un peu le petit malin. D'accord? Et avec le trèfle, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui adore prendre des risques, qui adore tenter sa chance, d'accord? Donc, si votre question est en relation avec une tierce personne, par exemple un homme de votre entourage, ça peut être un collègue, un amoureux, une personne avec qui vous voulez créer une relation, on vous dit ici de faire très attention parce que là, avec le trèfle et le renard, on vous dit que cette personne est là par intérêt, d'accord? Et en plus, le beau renard tout bleu, bien au milieu, là, comme ça. Ça montre vraiment que c'est quelqu'un qui s'impose, c'est quelqu'un qui s'installe et qu'il peut peut-être profiter un peu de votre faiblesse. D'accord? Il faudra faire attention quand même. Il faudra aussi faire attention aux mots doux, aux mots un peu trop mielleux, parce que peut-être on pourrait vous inciter à faire des choses en essayant de vous flatter. Voyez-le comme la fable de la fontaine où il y a le corbeau et le renard. D'accord? Dans un terme de professionnel, parce que le renard est aussi une carte du travail, le travail que vous faites pour gagner un salaire en tant que salarié. Donc là, on voit qu'il y a une chance qui s'amène pour vous, il y a une opportunité avec le trèfle. Ça peut être un petit bonus, une petite augmentation. Ça peut être aussi la réponse, parce que l'homme vient, donc ça peut être aussi une réponse professionnelle qui vient à travers un homme. Et c'est plus ou moins positif, d'accord? Pour votre réponse du oui et du non, on ne vous dit pas oui et on ne vous dit pas non, on vous dit de tenter votre chance. Avec le trèfle, c'est toujours ça, il faut se risquer. C'est pour ça qu'on attribue le trèfle à la carte du jeu d'hasard, parce qu'il faut tenter sa chance pour savoir si on est chanceux ou pas. Si on ne joue pas, on ne peut pas savoir si on a la chance. Dans les termes du trèfle, bien sûr. Donc, il faudra tenter votre chance. Et si vous avez des vues sur un homme de votre entourage pour une relation amoureuse, il faudra être fine. Il faudra vraiment jouer le rôle. Il faudra, comment dire, essayer de vous immiscer avec tact, et essayer votre chance aussi. D'accord? Donc c'est plutôt une semaine assez intéressante et ce sera une semaine où vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup analyser les choses, les petits détails surtout, le trèfle c'est des petits détails. Et oui, c'est une semaine assez bonne, je dirais. D'accord?
Alors, le troisième tas, si vous avez choisi le troisième tas, je pense que c'est le meilleur tas de la semaine. Alors, on a les poissons, la faux et la clé. La faux et la clé et les poissons, c'est pas mal, mais la faux, vraiment pas trop, hein? Alors, je vous explique. La faux, pour moi, tout ce qui, quand je fais un tirage, tout ce qui est du côté gauche, c'est le côté pas trop sympa. D'accord? Tout ce qui embête un peu les gens. Et le côté droit, c'est tout ce qui est de bon augure, qui est pas mal. Et la faux, elle coupe ce qu'il y a à gauche. Vous voyez les pointillés de l'autre côté. Donc là, les poissons, normalement, ça a une signification d'abondance, d'argent. Et quand la faux s'amène, c'est plutôt, on va dépenser de l'argent. Et ça m'est arrivé cette semaine, en filmant la vidéo de cette semaine. J'ai fait, en faisant le tirage, pardon, en début de semaine pour moi, je tire les cartes toujours pour moi, pour savoir un peu ce qui va se passer. Et j'ai eu les poissons, j'ai eu la faux et j'ai eu les étoiles. Alors je me suis dit, là je vais dépenser des sous. J'ai vu les étoiles, je me suis dit, c'est peut-être ma connexion Internet, c'est peut-être voilà quelque chose d'électronique. Et le même jour, en filmant la vidéo de la semaine, j'ai fait tomber mon magnifique caméra qui m'a coûté un peu les yeux de la tête. Et la caméra ne peut plus se stabiliser. Donc ça fait beaucoup de tremblements. Et j'ai dû bien sûr investir dans une nouvelle caméra parce que le temps qu'il l'emmène à la réparation, ça prend un mois parce que ça sort de la Réunion et ça va en métropole en France. Ils vont faire la réparation et là ils vont me faire un devis. Si c'est réparable, ils vont m'envoyer le devis et il faudra que je donne l'accord ou pas. Et si c'est réparable, je paye le devis et un mois et demi, 2 mois après, ils me renvoient la caméra. Donc ça me fait en tout 3 mois vraiment d'être sans caméra. Et comme je fais beaucoup de vidéos, la plupart de mes enseignements, de mes tirages aussi que j'ai fait pour mes clients, c'est par vidéo. Donc je ne peux pas rester sans caméra. Et la pluie qui arrive. Je vais fermer la fenêtre. Si vous entendez un tout petit bruit, c'est la fenêtre. Donc voilà. Donc cette semaine, si vous avez choisi le tas numéro 3, on vous dit que vous allez dépenser des sous. D'accord? Dépenser des sous avec la clé, ça peut être relatif à tout ce qui est serrure, tout ce qui est cadenas, portail, oui, tout. Ça peut être aussi une clé digitale, une clé USB. Donc, faites très attention, faites pas comme moi, faites pas tomber des choses. Cette semaine, il y aura des dépenses qui vont arriver et c'est des dépenses qui sont soudaines. Hein. Avec la faux, on ne s'y attend pas. Ça vient et ça rase le porte-monnaie. Donc, faites très attention. Mais en fin de compte, avec la clé, c'est des dépenses qui sont pas mal. Imprévues, certes. Mais c'est des dépenses qui sont bien investies et c'est des choses qui sont essentielles. D'accord? Donc voilà pour vous. Et si vous avez posé une question oui ou non, la réponse, elle est oui. Elle est oui et elle arrive très vite. Avec la faux, c'est vraiment rapide. Donc voilà pour vous si vous avez choisi le tas numéro 3. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a apporté, comme d'habitude, des éclaircissements et des choses à méditer. D'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant en appuyant sur le tout petit bouton juste en bas de l'écran pour s'abonner. C'est gratuit. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sur la chaîne, vous avez une petite notification de YouTube qui vous avertit que j'ai mis une nouvelle vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous mes produits, mes services, mes livres sur mon site web en français, lenormandextraordinaire.wordpress.com. Je vous souhaite une très très belle et bonne semaine et je vous retrouverai dimanche prochain pour un nouvel épisode, pour une nouvelle vidéo.